Nous sommes au début des années 40. Un homme rêve. Il rêve de temps meilleurs. Il rêve de libération. Il rêve d'enfants joyeux, heureux de vivre en paix. Il rêve. Et de ce rêve naîtront les francs et franches camarades. Pierre-François se souvient. C'était d'abord en 1938, je me trouvais être placé au poste de président d'un patronage laïque. Et je constatais que, malgré beaucoup de dévouement, il existait malheureusement une certaine pauvreté de moyens et surtout une très grande insuffisance pédagogique. Déjà, je rêvais de ce que pourrait être la rénovation des patronages laïques. Mais c'est surtout dans la période entre 1940 et 1944, qu'avec beaucoup d'autres, j'ai rêvé à ce qui pourrait se passer lorsque notre pays serait libéré, et j'ai particulièrement rêvé à ce que pourrait être un grand mouvement d'enfance laïque. Ici, voici le sixième bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune vient en dormant. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise. Un ami viendra ce soir. Chamarge, août 1943. En ce sombre été, Pierre-François réunit quelques militants des éclaireurs de France, des auberges de jeunesse et des CMEA. En quelques jours, le groupe rédige un projet et, de Chamarge, sort un document qui expose les motifs, précise les buts et décrit l'organisation du grand mouvement. À cette époque, les œuvres laïques étaient opprimées, étaient interdites, et dès septembre 1944, j'ai commencé des démarches. Sans attendre, nous avons pu réunir à Montry une équipe pour la création de ce grand mouvement, auquel du reste William Lemith avait donné son nom, les Francs et Franches Camarades. Dans cette équipe de Montry, je distingue d'une part des éclaireurs de France, des femmes venant de la Fédération française des éclaireuses, mais avec eux, des personnes désignées par le Syndicat national des instituteurs ou par la Ligue de l'enseignement ou par le mouvement des auberges de jeunesse. Et cette équipe pouvait être à l'origine disparate. Elle a trouvé immédiatement son unité, son élan, parce que tous étaient dévoués à la cause de l'enfance et à la cause de l'enfance laïque. Et notre mot d'ordre, tout au long de ce stage, tout au long des découvertes des systèmes, des types d'organisation, des activités à proposer, notre mot d'ordre a toujours été « Que faire pour la libération de l'enfant ?» Le 15 novembre 1944, la Fédération des Francs et Franches Camarades, mouvement ouvert aux garçons et aux filles de 6 à 21 ans, est créée. Vous voyez bien tout de suite pourquoi une époque marque. Francs et Franches Camarades, pourquoi les deux? Parce que l'idée même de quelque chose de vraiment mixte à l'époque, y compris dans les milieux, disons, des milieux de progrès, c'était pas une idée acceptable. Nous avions des groupes de garçons et des groupes de filles. Nous allons camarades en tout lieu, partout en
Des francas, tiens. Oui, mais qu'est-ce que c'est que des francas? Puis-je vous répondre, madame? Mais bien volontiers, monsieur. Les francas, ou plus exactement, les francs et franches camarades, réunissent chaque jeudi dans la plupart des villes de France le plus grand nombre possible d'enfants au sein des camaraderies et des patronages. Ils constituent un mouvement, un grand mouvement laïque, soutenu par la Ligue française de l'enseignement et le National des instituteurs. Mais que font-ils, les francs camarades? Oh, des quantités de choses. Par exemple, ils quittent la ville, si peu hospitalière pour des enfants qui veulent s'ébattre. Roger Rocher parle des premières années. Le rêve des fondateurs, issu de la libération, était celui d'un grand mouvement d'enfants. Jusqu'à ce congrès de Versailles, c'est l'enfant qui adhère individuellement au Franca. Le mouvement s'adresse à lui. Il lui propose des activités variées, basées essentiellement sur le jeu. Mais il a aussi la volonté de l'éduquer civiquement, avec des mots d'ordre référence, significatifs de l'époque. L'idée mouvement se réfugiera au niveau du guide, mot qui a encore mauvaise consonance historique pour certains, c'est-à-dire du moniteur, et les francas deviennent un mouvement de jeunes éducateurs. Des premiers rassemblements de guides, Biarritz, Versailles, Mâcon, au congrès jeune ou congrès J de 1966, en passant par les francas départementales et régionales, et surtout la plus grande, la plus belle, celle de Portmor en 1964, ce mouvement de jeunes éducateurs a vécu de grands moments. Certes, on peut regretter que les francs et franches camarades n'aient pas été le mouvement d'enfants rêvé, mais il n'est pas sûr qu'il faille considérer cela comme un échec. En effet, ce qu'ont écrit les fondateurs montre que le mouvement envisagé, loin d'être une fin en soi, n'était que le moyen choisi pour mener à bien une mission ambitieuse, éduquer activement et librement une masse de gosses. Au joli jeu de Jacadie, je jouerai bien toute la vie. Au joli jeu de Jacadie, je jouerai bien toute la vie. Il est regardé par terre et nous faisons tous le contraire. Nous levons les yeux vers le ciel à la recherche du soleil. Nous levons les yeux vers le ciel à la recherche du soleil. Pendant une quinzaine d'années, les francs et franches camarades sont d'abord un mouvement de praticiens. Ce n'est qu'à partir de la création des commissions nationales et régionales en 1960 qu'ils théorisent leurs pratiques en confrontant leurs différentes expériences sous divers éclairages. Celui des milieux, rural, urbain, celui des âges, petits, moyens, grands, jeunes, celui des techniques, activité physique, activité musicale, activité manuelle. Grâce à cette confrontation et à cette réflexion collective, les francs camarades définissent leur doctrine pédagogique, affinent leur philosophie d'éducation et notamment de l'éducation dans et par les loisirs. L'interaction théorie-pratique devient, aux francs camarades, un principe vivant. Le mouvement de jeunes éducateurs devient progressivement
un mouvement d'éducation. Roger Rocher témoigne. Notre programme, nos méthodes pédagogiques, qui étaient proposées à l'intérieur du mouvement, seront maintenant proposées à l'ensemble des associations laïques. Pas encore à tous. Ça sera l'étape suivante en 64. Nous nous adressons en 54 essentiellement au patronage et aux amicales laïques et nous leur proposons nos services et nos monos sous réserve d'une affiliation par licence collective, c'est la nouveauté. Nous devenons la Fédération nationale des patronages FFC. La fédération réalise ce que le mouvement impulse. Les francs camarades souhaitent rapidement donner aux camaraderies et au patronage un autre cadre que le préau ou la cour d'école. Écoutons Simon-Jean nous caractériser cette nouvelle phase de développement. La deuxième décade, j'ai envie de parler d'aménagement du territoire en ce qui concerne les francs camarades, d'implantation multiple, de formules diversifiées. Il y a eu des camaraderies rurales jusque dans les petits villages de Haute-Auvergne. Il y a eu des centres aérés un peu partout, des centres aérés de vacances et des centres aérés permanents, des comités pour nos gosses dans la région de Lyon, des tas de formules qui sont mises en place et en même temps que le mouvement répondait à ces urgences, répondait à cette quotidienneté, il y a eu tout un travail de réflexion, de reformulation, d'organisation et de structuration du mouvement et de la pensée pédagogique du mouvement. L'impact du mouvement d'éducation s'élargit et sa notoriété grandit. Ses pratiques et ses idées font souvent référence, mais pour tous les militants, le plus important est qu'elles profitent aux enfants et aux adolescents. Que faire pour la libération de l'enfant était la question que se posaient les pionniers du mouvement en 1944. Tout mettre en œuvre pour que chaque jour davantage la cité fasse à l'enfant une place plus riche et plus radieuse était l'engagement que prenaient les militants en 1964. La place de l'enfant, construisons-la ensemble, est l'appel que les Francas ont lancé en 1990 à tous ceux et à toutes celles qui veulent et qui peuvent faire progresser la cause des enfants et des adolescents. La préoccupation originelle des francs et franches camarades fut l'enfant. La préoccupation essentielle des francas reste l'enfant. Dans le premier numéro de Camaraderie, Pierre-François écrivait « Il faut se tourner vers l'enfance, l'âge où tout se détermine ». Un demi-siècle plus tard, chacun reconnaît qu'il faut encore se tourner vers l'enfance, faute de quoi, comme les francas l'exprimaient déjà en 1964, les plus rebelles d'entre les enfants trouveront dans la violence un exutoire dont les adultes s'étonneront vertueusement. Dès 1944, alors que les traumatismes de l'occupation et les atrocités nazies marquent la population, mais que l'enthousiasme de la libération nourrit l'espoir, les francs camarades mettent tout en œuvre pour donner aux enfants une place dans laquelle, au lieu d'être spectateurs immobiles ou simples auditeurs, garçons et filles, de tout leur être, participent à leur propre éducation. Ils s'efforcent de transformer les garderies du jeudi en camaraderie et en patronage éducatif, qui offrent aux enfants des activités saines et joyeuses. Après les destructions massives de la Seconde Guerre mondiale, il faut reconstruire. Mais l'urgence de la reconstruction, la voracité comme l'opportunisme des spéculateurs immobiliers, engendre un urbanisme anarchique qui ne laisse aux enfants ni place dans le logement, ni place autour. Les francs et franches camarades revendiquent alors des espaces pour les enfants.
À l'occasion de leur 20e anniversaire, ils invitent des parents, des enseignants, des travailleurs sociaux, des architectes, des médecins, des élus, des militants associatifs, syndicaux et politiques, à étudier avec eux la place physique de l'enfant dans la cité. Ce sont d'abord les journées nationales d'études de la mutualité. Ce sont ensuite, sur le même thème, les journées départementales. Ce sont enfin, pour alerter l'opinion, les campagnes, faut-il les mettre en cage, et jouer mais où ? Enfin entendu, et du coup sollicité, les Francas contribuent très activement à la réservation et à l'aménagement d'espaces physiques pour les enfants. Pleine de jeux, maison de l'enfance, centre aéré, etc. Mais disposer d'espaces, aussi bien aménagés et adaptés soient-ils, ne suffit pas. Les enfants peuvent y être encore, spectateurs immobiles ou simples auditeurs. La place de l'enfant, c'est aussi celle qu'on lui accorde dans les actions éducatives, à l'école et ailleurs, celle qui lui permet de participer de tout son être à sa propre éducation. Camaraderie 66, l'école ouverte à l'éducation globale, la complémentarité et la mise en convergence des actions éducatives, le projet éducatif de secteur, ancêtre du projet local, sont autant d'initiatives, de concepts ou de réalisations marquées au sceau des Francas. Les Francas ont placé l'enfant au centre des pratiques et des problématiques éducatives bien avant qu'une loi d'orientation de l'éducation ne le fasse. La place de l'enfant, c'est encore celle qu'on lui fait dans les domaines culturels. De la création des éditions Jeunes Années à celle d'Enjeux Télé, du développement de la lecture et de l'expression sous toutes ses formes à celui des activités de découverte scientifique et technique, des échanges interrégionaux aux échanges internationaux, les Francas ont largement contribué à élargir le champ culturel des enfants. La place de l'enfant, c'est enfin celle qu'il occupe dans les collectivités auxquelles il appartient, celle qu'on lui fait dans la communauté humaine, celle que lui donne son statut social. Lors de l'élaboration de la Constitution de la 4e République, les Francs et Franches Camarades déplorent que les enfants soient oubliés. Ils souhaitent, je cite, « vivement voir s'ajouter un paragraphe, celui des droits de l'enfant ». Ils sont parmi les premiers à faire connaître la Déclaration des droits de l'enfant de 1959. Suite au congrès J, ils préconisent les conseils de camaraderie pour favoriser la concertation avec les enfants. À l'occasion du bicentenaire de la Révolution française, il lance les cahiers de doléances des enfants et des jeunes. Ce que je voudrais, c'est que les parents arrêtent de nous commander. Mon père, il est moins sévère que ma mère et un peu moins encadré et j'ai le droit à un petit peu plus de liberté quand je suis chez mon père que... Je suis ma mère. Moi, j'aurais une idée de chaîne, c'est-à-dire que quand on va voir des copains qui disent « Oh, moi, je l'aime pas celui-là parce qu'il est noir », c'est-à-dire qu'il est raciste, on lui dit « Ben, pourquoi t'es raciste ? Il faudrait que t'arrêtes parce qu'il est comme toi. Quand tu seras plus raciste, tu diras aux autres, à ceux que tu rencontreras qui sont racistes, qu'ils ne soient plus racistes, qu'ils arrêtent. Comme ça, le Parisien, il dira, par exemple, à un Américain. Mm-hmm. Puis alors, l'Américain, il dira... Mais il faut essayer de le dire au président de la République. Le plus beau moment de la vie, c'est l'adolescence. Parce que c'est là, justement, où on se pose le plus de questions. Promoteur de la Convention internationale des droits de l'enfant, ils osent parler de citoyenneté des mineurs. Car il leur paraît indispensable que les problématiques sociales intègre ce que pensent et disent les enfants et les adolescents comme une contribution nécessaire
à la recherche de solutions collectives. Après le congrès de Rennes, le Conseil scientifique organise des journées d'études sur la citoyenneté des mineurs, thème sur lequel travaillent simultanément des enfants et des adultes. La place de l'enfant est indissociablement éducative, culturelle et sociale. La vocation des Francas est indissociablement éducative, sociale et culturelle. Ce n'est pas fortuit. Les Francas ont 50 ans. Ils ont beaucoup fait, mais leur œuvre est inachevée. Il a fallu du temps pour passer du jeudi après-midi au loisir quotidien, de la garderie au patronage éducatif, du patronage au centre aéré, du centre aéré au centre de loisirs. Il a fallu du temps pour faire admettre la globalité de l'éducation. Il a fallu du temps et l'énergie de milliers de militants pour, à chaque étape, analyser, concevoir, expliquer, convaincre, promouvoir, réaliser. Et il faudra du temps et de l'énergie pour que tous les enfants, plus et mieux respectés, plus et mieux estimés, aient dans la société la place à laquelle ils ont droit. Il faudra des militants. Il faudra des confrontations d'expériences, des réflexions collectives et des réalisations. Il faudra des idées en mouvement et des actes en coopération. Avec les autres, tous les autres, il faudra encore les Francas. Puisqu'il faut se tourner vers l'enfance, la place de l'enfant, construisons-la ensemble. L'invitation d'aujourd'hui répond à l'injonction d'hier. Le temps passe et l'écho répète. Place de l'enfant, 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 place de l'enfant. Place de l'enfant. Oh.